Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer là-dessus pour ne pas oublier. Cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous parce que ça va être chaud. Cette vidéo est notre première vidéo du jour et nous sommes très 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 contents de vous revoir aujourd'hui pour cette histoire encore, ce thème assez particulier. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aimez les femmes. Bon, c'est que nous tous nous aimons les femmes parce que nous sommes dans cette vidéo, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, vous et moi. Vous et nous, vous et toute l'équipe Nyans Reborn, nous aimons tous les femmes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ah, ok, nous allons bien causer. Aimer les femmes, c'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Mais, faut pas les aimer dans le désordre. Faut pas les aimer d'une autre façon. Sinon, ça risque de mal tourner. C'est pourquoi nous sommes là. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs! Une femme, je dis bien une femme pour un homme, mais pas des femmes ou des meufs. Voilà, si vous aimez la meuf. Mais pas de meuf pour des hommes. Pour nous, pour un homme. Pas de meuf pour un homme. Est-ce une femme là? Ou bien une meuf là? C'est une voiture. Tu achètes ta voiture. Tu montes dans la première aujourd'hui. Demain, tu montes dans la deuxième. Après, dans la troisième. Ou bien, tu vas dire, aucune des trois voitures ne me plaît. Je préfère une nouvelle voiture. Celle-là. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, mais pas à ses copines, pas même à ses femmes. Dieu est en train de nous dire que par rapport aux histoires des femmes, là, ce qu'il est bien de faire, c'est d'avoir une seule femme. On ne parle pas ici de meuf. On ne parle pas ici d'avoir des copines. On ne parle pas ici de sortir les samedis. Et d'avoir des copines, des relations sexuelles. On ne peut pas essayer ça ici. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ici, nous sommes en train de vous dire que si vous aimez les femmes, c'est pas mauvais. Mais si vous voulez aimer les femmes jusqu'à avoir même des rapports sexuels avec elles, avec chacune d'elles, et puis vous voulez même prendre ça comme un jeu, à un moment donné, ça risque de mal tourner, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ça risque de mal tourner. Parce que Dieu ne va pas vous accompagner sur cette voie-là. Et si Dieu lui-même ne vous accompagne pas sur cette voie, c'est que le diable lui-même, il serait là à vous accompagner. Oui! C'est là que nous allons parler du danger lié à ce comportement que les humains ont par rapport aux femmes. Tu aimes les femmes, tu as deux femmes, tu as trois copines. Tu as regardé un film pornographie, tu as vu une fille. Elle a des seins comme ça, ou bien elle a des seins comme ci, elle a des fesses comme ça. Dès que tu la vois physiquement, tu vas la chercher. Après, quand tu regardes un autre film encore à la télévision, dès que tu vois une femme, tu dis, oh, il me faut ce modèle-là. Quand on te pose la question, mais toi-même là, quel est ton genre de femme? Tu réfléchis. Et puis tu dis, je suis tout terrain. C'est de ça la question ici, mes frères et sœurs. C'est de ça la question. Hey! Les hommes aiment les meufs. Que tous ceux qui aiment les meufs,
Si tu sais que tu aimes les meufs, clique sur cette vidéo. Je suis sûr, nous sommes dans la sauce. On aime les meufs. Qui n'aime pas les meufs? Qui n'aime pas les femmes? Qui ne veut pas avoir plusieurs copines? Déjà, tu as une, elle est à ta gauche, l'autre est à ta droite. Et puis, je viens tenter de faire les plans à 5, les plans à 6. Les plans à 7, les plans à 18. Si tu aimes les plans à 4, clique sur cette vidéo. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Mais mes frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire qu'il vous faut une seule femme, mais pas plusieurs femmes. Une femme, ce n'est pas des voitures. Tu as une voiture, deux voitures, trois voitures, et tu choisis la voiture qui te plaît. Aujourd'hui, c'est la voiture A. Demain, c'est la voiture B. Et tu t'amuses. Crois que c'est une bonne chose. Or, ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores là, c'est que quand tu sors et que tu as un comportement de pudicité, tu passes ton temps à chercher les femmes, tu vis la vie de débauche, tu es exposé, ton âme et ton esprit sont exposés à d'autres esprits démoniaques. Parce que ces esprits, encore ces démons-là, ils chercheront toujours à avoir des rapports sexuels avec toi. En plus, tu peux même tomber sur des filles qui sont des sorcières. Là, on ne parle pas des démons, hein. On parle des humains qui se trouvent dans notre monde, qui ont livré leur esprit à Satan, qui sont des femmes. Tu risques de tomber sur tes sorcières. Ne sais-tu pas que avant de prendre une femme là, même avant de marcher avec quelqu'un, il faut d'abord savoir son état d'âme. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est sataniste ou pas? Est-ce que c'est une sorcière ou pas? Toi, tu dois avoir l'information. Tu dois tout savoir sur elle, Mais tu ne sais pas. Et toi, aujourd'hui, tu couches avec une fille. Demain, tu couches avec l'autre fille. Troisième fille. Parce que toi, tu aimes les meufs. Parce que pour toi, c'est la mode. Comme mes amis ont trois meufs, trois femmes, bon, copines. Donc toi aussi, tu as trois meufs. Et pour toi, là, c'est devenu un jeu. Tout le monde le fait. Moi aussi, je dois le faire. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, là, ce que tout le monde fait, là, ça conduit généralement à l'enfer. Il faut qu'on vous le dise. Ce que les humains ne font pas là, c'est ça qui conduit aujourd'hui au paradis. Les gens ne veulent plus rechercher Dieu. Ils ne veulent plus avoir une vie potable. Ils ne veulent plus vivre dans la vie de cet été. Ils veulent passer plutôt le temps à fouiller dans les culottes, dans les caleçons des femmes. Les culottes, les cylindres. Mais tu recherches quoi là-bas? Ton doigt là, tu mets ça partout. Et toi, tu aimes les femmes. Tu aimes les meufs. Et tu te dis que c'est extraordinaire. Oh, c'est dangereux. Voici encore un autre danger à la pub. Voici un témoignage qui va vous aider. Qui va nous aider aujourd'hui. Puisque nous tous, on aime les meufs. Ah! Un homme est sorti, il allait en boîte avec sa copine. Et quand il allait plutôt en boîte avec son ami. Et là-bas, là, il a vu une fille qui avait des seins, qui avait des fesses, qui était jolie. Il dit franchement, celle-là, ça va être, elle va faire partie de ma liste noire. En fait, lui, si sa liste noire, il a déjà couché avec plus de 22 filles. Elle va être la 23e fille. C'est une bénédiction pour lui. C'est sa bénédiction. Et il appelle ça ses trophées. Et... voici qu'il va aller aborder la fille. Elle aussi, elle-même, elle cherchait aussi quelqu'un dans sa vie. De toutes les façons, même, c'est une sorcière. Elle cherchait une belle opportunité pour se faire plaisir aussi. La sorcière, si je veux, veut se faire plaisir. Et il allait vers elle. Il dit, bonjour ma chérie, comment vas-tu? Elle dit, oh, tu sais, je vais très bien, je vais bien, et toi? Lui aussi dit, oh, ça va. Si toi tu vas bien, c'est que moi aussi je vais bien. Hein? Eh bien, il hallucine ou quoi? Et voici ce qui va se passer. Il va commencer à causer avec la fille. Quel est ton nom?
quel est ton numéro? Est-ce que tu n'as pas un 06? Les deux vont commencer à échanger. Ils vont commencer à se raconter des histoires. Faire tout ce qu'ils ont à faire. Et le même jour là, il va l'amener chez celui. Ah! Il va amener une fille qui, dont il connaît même pas l'état d'âme. Il ne sait même pas qui elle est. Est-ce qu'elle est sorcière? Est-ce que. Qui sont ses parents? Est-ce que son papa va accepter que je couche avec sa fille sans son autorisation? Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser quand même, mes frères et sœurs. Oui! On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Dès que tu rencontres une fille, tu ne demandes même pas son nom. Si tu as demandé son nom, c'est que tu es fort. C'est que tu as pris beaucoup de temps. Il sait, mais tu t'appelles comment? Tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les gens ne posent pas trop de questions. En même temps, il l'amène chez lui. Et il lui dit, il y a quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Ma chambre. Elle aussi. Elle dit, ta chambre, là, c'est qu'elle parfait, tu mets sur ton lit. En même temps, les choses commencent. Au moment où on se rencontre là, ils ont déjà fait le péché. Or, cette femme-là, c'était une sorcière. Elle, c'était une sorcière. Mais lui ne savait pas. Les deux ont commencé à se fréquenter. La deuxième fois, là, quand elle est venue chez lui, cette fois, elle a dit que, comme la première fois, on a eu des rapports sexuels protégés avec tout ce que tu vous connaissez là, comme ça s'est passé ici, aujourd'hui, là, puisque je te connais maintenant, je veux que ça soit direct, sans, comment vous appelez ça, peau de banane. Et lui aussi, il est là, il dit, il regarde à gauche et à droite, il dit, franchement, ce que tu te dis là, c'est bien, hein? C'est beau, mais moi, franchement, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Elle dit, non, ne t'inquiète pas pour ça. Elle dit, non, faut pas t'inquiéter, moi, je vais te sentir, hein? Je vais te sentir seulement, je veux être en toi et toi en moi. Et lui aussi, il s'est dit que la fille, elle l'aime, elle est prête à tout pour lui. Oh, c'est qui c'est pas là? C'est que c'est une sorcière. Elle veut avoir des rapports sexuels non protégés avec lui pour que quand les deux vont se connecter là, elle puisse lui transmettre une maladie mystique et après le tuer. Ça, il ne sait pas. Pour lui, il a rencontré une fille qu'il aime, une fille qu'il apprécie, qu'il aime tellement au point où elle va avoir des rapports sexuels nous protéger avec lui, pour lui faire plaisir. Oh! Aujourd'hui, là, l'homme n'est pas l'homme. Si tu vois un homme qui te parle de Dieu, il faut dire que c'est Dieu qui te parle, que c'est Dieu lui-même qui veut sauver ta vie. Sinon, nul n'est pas fait sur la terre. Quelle fille, grâce à te faire du bien. En tout cas, c'est que cette fille-là, ce jour-là, c'est l'Esprit de Dieu même qui est entré en elle. Et c'est l'Esprit de Dieu là qui veut te faire du bien. Sinon, comment ça serait possible? Comment ça serait possible là? Yeah! Mes frères et sœurs, c'est tout sauf de la blague. Ici, on se trouve entre frères. Nous qui aimons les femmes. Mais on cause. Quelques temps plus tard, il est tombé malade après avoir eu des rapports sexuels non protégés avec cette fille. Et quand il est tombé malade, il a appelé son ami. Il a dit à son ami que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il ne va pas avec lui, quelque chose ne va pas. À chaque fois qu'il est là, il sent le besoin d'aller aux toilettes. Il ne sait pas pourquoi. Son ami lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu as mangé quelque chose qui n'est pas normal? Il dit non. J'ai bien mangé, tout est normal. Tout va bien chez moi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui là ça ne va pas. Je ne fais que aller à la douche seulement. Je ne peux pas sortir. À chaque fois, je suis entre la douche et le salon. La douche et le lit. Il sait, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quoi? La douche? Et le salon, ou bien le lit. Donc tu ne peux pas sortir. Il dit non, il dit je ne peux pas sortir, sinon il y a une couche pour sortir. Oh!
qu'est-ce qui t'arrive? Attends. C'est là maintenant l'Esprit de Dieu va réveiller l'esprit de son ami. Pour lui dire, mais dis-moi, est-ce que la fille là, tu as eu des rapports sexuels avec elle? Il dit oui. Est-ce que vous êtes protégé? Il dit la première fois oui, mais la deuxième fois non. Ah, est-ce que c'est pas ça qui te crée des années? Est-ce que tu n'as pas transmis la maladie? Est-ce que tu n'as pas transmis la maladie? Est-ce que tu n'as pas le sida? Allez à l'hôpital pour voir. Ils arrivent à l'hôpital. Après analyse. Il n'y a pas de sida. Ah! Mais si tu n'as pas de sida dans ton sang, qu'est-ce que tu as? Le docteur dit, bon, on a fait la première analyse aujourd'hui. Voici, on trouve que tu as une maladie franchement assez compliquée. On ne sait pas même c'est quoi au juste. Pourquoi on fait le diagnostic? Tu n'as rien. Oh, tu es là, tu souffres. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il dit, ah, franchement, qui m'a envoyé de coucher avec la fille là? Qui m'a envoyé de coucher avec la fille là? Mais qui m'a envoyé là? Oh, mais qui m'a envoyé là-bas même? Ah, il a été se lamenter maintenant. Mais d'abord, dit que tu aimes la meuf. C'est pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, n'est-ce pas? Ou bien, qui n'aime pas la meuf ici? Si nous, on a cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'on aime les meufs. Les femmes, on veut voir ce que tu as à nous dire. Ce que nous avons à vous dire, c'est ça. Il y a un danger qui se trouve derrière cette histoire de pudicité, la vie que vous menez là. Cette histoire de meuf là. Toi-même là, tu ne remarques pas que tu n'es rien là. Ça ne bouge pas trop bien. À un moment donné, toi me pose-toi la question. Ah! On dit un homme pour une femme. Un homme, une femme. Maintenant toi, tu as plusieurs femmes pour toi seul. Ça veut dire que tu es là, tu as des rapports sexuels avec la femme des gens. Comment tu ne vas pas avoir de problème? Comment tu ne vas pas avoir de problème de reins, des problèmes d'érection parfois? Tellement tu as eu des rapports sexuels avec des filles, sur des filles, sur des filles. À un moment donné, là, toi-même, là, tu es perdu. Tu n'es plus un homme fidèle. Tu n'es plus digne de confiance. Tu es devenu autre chose. Tu ne peux pas faire un jour sans coucher, avoir des rapports sexuels avec une fille. Ça va, tu vois que tu deviens esclave de la chose maintenant. Parce que tu aimes la meuf. Ah, nous on aime la meuf. Hein? Nous sommes jeunes. Toi, tu es un vieux. Mon frère, tu es un vieux. Tu ne sais pas ce que c'est que les femmes. Toi-même là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au juste? Qu'est-ce que tu fais au juste? Comment tu fais les choses? Ah! Comment tu fais? Tu n'aimes pas la meuf? Est-ce que tu n'aimes pas la meuf? Hein? Mais la meuf là, ça te plaît pas? Est-ce que la meuf là, ça ne te plaît pas du tout? Tu vas les voir les deux. Si son ami s'est trompé pour lui dire que lui n'a jamais touché de femme, il est cuit. Ce jour-là, ils vont tous s'asseoir comme ça, se regarder. Ils vont le regarder, vont dire. Est-ce que tu es sûr que ça va? Est-ce que tu es sûr que tu te portes bien? Est-ce que tu es sûr que tu te portes bien? Et non, je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Où est le problème? Hein? C'est à ce moment-là. Ils vont lui dire, mais mon frère, tu as péché. C'est un péché. Tu n'as pas de rapport sexuel avec. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Waouh. Mes frères et sœurs, applaudissez-le. Celle-là va se mettre à l'applaudir. Wow! Ce gars, c'est un dieu gars. Mais nous devons te trouver une copine. Nous devons t'apprendre à faire les choses. Sinon, ce n'est pas bien. C'est là maintenant, les mauvais conseillers vont l'amener à avoir quoi? Une meuf, une petite meuf. Et ils vont lui dire, bon, va la draguer. Il faut nous montrer tes techniques de drague. Comment tu fais pour draguer les filles? Montre-nous comment tu fais les choses. Montre-nous comment tu fais les choses.
Il faut le voir maintenant. Il dit, aujourd'hui, je vais donner un vrai garçon. Mes amis vont m'apprendre comment on dague les filles. Je vais daguer pour la première fois une fille. Et je vais l'embrasser en même temps. Je vais leur montrer que moi, je suis un duga. Ok, bonjour ma jolie. Elle est là, elle ne comprend rien. Elle sent que toi-même, tu n'as pas envie d'être là. C'est parce qu'on t'a poussé. C'est pourquoi tu es là. Elle est là. Elle aussi, elle est là, elle te regarde. Bon, tu dis bonjour ma jolie. Elle dit bonjour. Je n'ai pas bien entendu. Aïe. Je te dis bonjour, tu m'as salué. Je te dis bonjour, tu me dis. Elle dit, ah, mais est-ce que c'est comme ça fait? Moi, en fait, ce sont mes amis qui m'ont envoyé vers toi. Sinon, moi, mais j'étais pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Même tes amis là, qui ici disent qu'ils sont forts là, eux ne sont pas prêts à se marier. Ils ne sont même pas prêts. En fait, ils croient qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas prêts du tout. En fait, ils croient qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas encore prêts. Il faut leur poser la question. Toi, pourquoi vous te dites d'aller faire les choses là? Posez la question. Est-ce que si la fille là tombe enceinte tout de suite là, est-ce que tu serais prêt à être responsable, à dire à cette fille là, c'est mon enfant, marions-nous. Et puis, il faut bien regarder la réponse. Il faut bien examiner. Examine-les bien. Écoute-les bien. La majeure partie du temps, ils vont vous dire que, ah, en tout cas, moi, je suis mes parents. Hein. Mon papa ne va pas l'accepter. Ma mère va déjà foule. Ou bien, elle ne sera pas contente. Elle ne va pas du tout apprécier ça. Donc, franchement, je ne suis pas prêt pour avoir une fille, hein, avoir un enfant. Hein. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mais tu aimes les femmes. Tu aimes les meufs. C'est pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. De toute façon, nous tous, on aime les meufs. Mais nous ne sommes pas prêts. On est l'homme qui traite son père, sa mère, pour s'attacher à une femme. Toi, tu n'es même pas prêt. Tu as des copines. Et là, ce sont des humains. Cet homme est tombé sur une sorcière. Il est tombé malade. Il est en train de mourir à la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas tomber sur un démon? Parce que si nous ne savons pas là, il y a de jolies meufs qui quittent le monde des cimetières. Dans les cimetières qui viennent dans ce monde ici. Elles sont jolies. Elles ont même l'argent. Elles se parfument bien. Elles s'habillent très bien. Elles sont sexy, comme tu aimes. Elles ont les seins. Elles ont les fesses. Ben là, toi, tu kiffes ça. Faut pas être étonné. Faut pas être étonné. Qu'un jour, tu tombes sur une femme comme ça. Quand tu vas tomber sur elle, là. Le jour où tu vas avoir un rapport, c'est elle, là. Tu passes ici. Elle apparaît là-bas. Tu passes là, elle apparaît là. Quand tu la trompes, elle sait. Elle va te dire maintenant qu'elle est une sorcière, c'est une sirène. Tu as couché avec un démon. Tu ne sais pas que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voici 5 filles qui ont été envoyées par le monde des ténèbres pour aller coucher avec des hommes. Rien que des hommes, hein, pour les transmettre des maladies, même les rendre impuissants. Et quand elles ont des rapports sexuels avec l'homme, elles volent aussi ton étoile. Bon, c'est ce que vous appelez la chance là. Dès que tu couches avec elle, tu es dans les problèmes. Dès que tu couches avec elle, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'auras plus d'enfant et ton sexe ne va plus fonctionner. Ah! Ce sont des choses pareilles comme ça qui existent. Ce sont de telles choses qui existent. Oui, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, nous tous on aime les meufs, mais c'est dangereux. Un homme pour une meuf et on se marie d'abord, il y a des conditions. Tu dois déjà savoir qui elle est, qui sont ses parents. Est-ce que ses parents vont t'accepter? Est-ce que ses parents vont... Il y a tellement de paramètres. Est-ce que toi-même, tu peux t'occuper de la fille là-même? Ah! Si tu as dit de se marier avant d'avoir... De quitter son père, sa mère, tout ça, avant d'avoir une meuf là, une femme, c'est qu'il veut que les conditions soient réunies. Tu vas mettre un enfant au monde. Un enfant qu'elle a là, à un moment donné là. Il a besoin de son père, il a besoin de sa mère, du soutien des deux parents. Si les deux ne sont pas là, là, comment il va grandir dans les bonnes conditions? Est-ce que toi, tu aimerais... Fuir une fille que tu as enceinte et laisser ton enfant grandir sans père, sans le soutien d'un père. Vous n'imaginez pas comment c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je dirais même que c'est vraiment pas facile pour un enfant de grandir sans son père. Est-ce que vous savez combien de fois c'est dur? C'est tellement difficile. C'est pour éviter toutes ces histoires-là que nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous aimez les meufs, c'est bien. Mais... C'est une meuf pour un homme. Et cette meuf que tu as choisie là, il faudrait que Dieu lui-même approuve cette femme là. Parce qu'il y a des sorcières qui sont là. Elles sont là. Ah, il y a des démons qui viennent aussi. Belle comme ça, jolie comme ça, et t'attire. Aujourd'hui, nous devons tous faire attention parce qu'on aime la meuf. Ou bien, est-ce que oui? C'est conseil d'un ami sur Nuance Reborn. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche pour l'activer.
si j'ai t'a touché. Et ne manque surtout pas la prochaine vidéo. Si tu aimes qu'on parle des meufs, pour pouvoir te décourager de la chose encore, nous ferons une autre partie qui va sans doute t'aider. En tout cas, nous sommes tous là pour nous donner de bons conseils. Dans la partie commentaire, vous pouvez aussi réagir et nous dire quels sont les conseils, quelles sont vos expériences dans cette histoire de meufs. Est-ce que vous avez réussi à dominer ce niveau-là? Est-ce que vous avez réussi à vous séparer de tout ce qui est meuf? En tout cas, nous, avant d'arriver jusqu'à ici, plus de 2 ans, 3 ans plus tard, avant, nous avons déjà fait une séparation entre les meufs. Nous avons été préparés, tu vois, plusieurs années, je dirais même 6 ans avant que nous créions une chaîne YouTube pour vous parler des choses extraordinaires comme ça. Ça veut dire que Nyon Sribon, toute l'équipe Nyon Sribon, eux, ils ne sont pas récents. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont dans ces genre de choses. Si nous vous parlons de ces choses, c'est parce que nous avons eu l'expérience et nous savons que c'est dangereux pour tous les humains et Dieu veut nous aider de tout. Préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyon Sribon. Mes frères, soyez prêts parce que ça va être chaud. Qui n'aime pas les meufs ici? Tout le monde. Mais une meuf pour un homme. Et la bonne. Je vais essayer là.